طلبة الصف الثاني عشر أدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نبدأ إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات اللغة الفرنسية، القواعد. راح نأخذ إن شاء الله الانفينيتيف بالجزء الأول والجزء الثاني لا كونديسيون، ولكن كل هذا بعد الفاصل. Chers élèves, bonjour. On va commencer notre leçon maintenant. Observez bien ces phrases. On doit participer pour sauver la nature. On doit participer pour sauver la nature. On apprend aux gens des règles simples pour respecter la vie. On apprend aux gens des règles simples pour respecter la vie. Comment préparer le projet? Comment préparer le projet? Alors, regardez bien ces phrases. Ici, nous avons « On doit participer pour sauver la nature ». Qu'est-ce que vous voyez ici? « Participer » avec « er ». C'est le verbe à l'infinitif. Pour sauver, er, donc le verbe à l'infinitif. On va voir pourquoi. Même chose ici, pour respecter. Respecter, c'est le verbe à l'infinitif. Comment préparer? Donc, préparer, un verbe à l'infinitif. Je vais faire des brochures. Regardez, faire, verbe à l'infinitif. Bien. Regardez. On peut utiliser l'infinitif pour exprimer le futur proche avec le verbe aller. Par exemple, je vais faire le projet. Regardez, je, c'est le sujet. Vais, le verbe aller, faire, verbe à l'infinitif, et le projet. Donc, je vais faire le projet. Bien. Verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Ça va nous donner le futur proche. Le futur proche. Pour exprimer le futur proche, on va dire verbe aller au présent, on va conjuguer le verbe au présent plus le deuxième verbe à l'infinitif. Par exemple, je vais faire des brochures. Je vais faire des brochures. Donc, si je dis je fais des brochures maintenant, mais quand je dis je vais faire des brochures, par exemple demain, donc c'est le futur proche. Tu vas participer au concours. Tu vas participer au concours. Regardez, tu, le sujet, va, le verbe 1, verbe 2, participer. Ici, participer, c'est quoi? Le verbe à l'infinitif, donc pour exprimer le futur proche. Troisième phrase, ils, elles, on va visiter les tours. On va visiter les tours. Donc, va, c'est le verbe aller, visiter, à l'infinitif, très bien. Nous allons réserver une place. Nous allons réserver une place. Donc, c'est le futur proche, nous allons, et le deuxième verbe, à l'infinitif. Nous allons réserver une place. Vous allez collectionner, par exemple, des photos. Vous allez collectionner. Regardez le deuxième verbe à l'infinitif aussi. Ils ou elles vont préparer un projet. Donc, ils ou elles vont préparer. Préparer, c'est un verbe à l'infinitif. Vous voyez? Très bien. Je vais faire des brochures. Donc, Khaled, qu'est-ce qu'il dit ici?
Je vais faire des brochures. Ici, c'est le futur proche. On a utilisé le verbe aller au présent plus verbe faire. Donc, verbe aller au présent plus le verbe infinitif pour former le futur proche. Répétez. Je vais. Tu vas. Il va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Plus le verbe à l'infinitif pour exprimer donc le futur proche. On va faire les exercices dans le cahier d'activité, page 66. Page 66. Pour exprimer le futur proche, donc exprimer le futur proche est fait comme l'exemple. Par exemple, elle va au club. Elle va au club. Donc, on va transformer cette phrase au futur proche. Elle va aller au club. Elle va aller au club. Alors, aller, c'est l'infinitif de va. Donc, elle va aller au club. Par exemple, ici, tu prends des photos. Où est le sujet? Tu. Où est le verbe prend? Où est le complément des photos? Regardez le verbe prend. C'est quoi à l'infinitif? Prend. Très bien. Prendre. Donc, tu vas prendre des photos. Tu vas prendre des photos. Est-ce que c'est clair? Regardez, deuxième phrase. Nous respectons la vie. Nous respectons la vie. Où est le verbe respectant? Quel est l'infinitif du verbe respectant? Très bien, respecter. Donc, nous allons respecter la vie. Nous allons respecter la vie. Phrase numéro 3. Les amis préparent un article. Où est le verbe? Très bien, prépare. Quel est l'infinitif du verbe prépare? De ce verbe, alors c'est préparer. Les amis vont préparer un article. Vous voyez la différence? Vous protégez la nature. Vous protégez la nature. Où est le verbe protéger? EZ, l'infinitif protéger. ER. Alors, vous allez protéger la nature. Vous allez protéger la nature. Numéro 5. On fait attention à la nature. On fait attention à la nature. Le verbe fait. C'est quoi l'infinitif? Faire. Donc, on va faire attention à la nature. On va faire attention à la nature. On continue. Regardez maintenant cet exemple ou cette phrase. On doit participer ensemble pour sauver la nature. Alors, on doit participer. Participer, c'est le verbe à l'infinitif. Est-ce que vous voyez un autre verbe à l'infinitif? Très bien, sauver. Donc, participer et sauver. Donc ici, on a une obligation, c'est-à-dire il faut. D'accord? Quel verbe ici on utilise? Le verbe devoir. Par exemple, on doit participer. Pourquoi j'ai écrit participer à l'infinitif? Très bien, parce que c'est un deuxième verbe. On, sujet, doit, verbe 1, participer, verbe 2. Donc, à l'infinitif. Qu'est-ce que ça veut dire « on doit participer » C'est-à-dire, il est obligatoire de participer. Il est obligatoire de participer. Vous voyez, après le « de », ici, nous avons aussi un verbe à l'infinitif. On peut dire les deux. On peut dire « on doit » ou bien « il est obligatoire de ».
Donc, pour exprimer l'obligation, regardez, tu dois écrire le devoir. Tu dois écrire le devoir. Donc, verbe devoir au présent, plus l'infinitif. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Je dois étudier. Je dois étudier. Ou bien, tu dois faire le devoir. Tu dois faire le devoir. Vous voyez, nous avons ici le verbe devoir au présent, conjugué, et le deuxième verbe à l'infinitif. Ils, elles, ont, doit participer au concours. Ou bien, nous devons planter des arbres. Vous voyez le verbe devoir conjugué plus le verbe à l'infinitif, le deuxième verbe à l'infinitif. Vous devez garder la ville propre. Vous devez garder la ville propre. Donc, vous voyez le verbe devoir conjugué plus garder à l'infinitif. Donc, on doit garder la ville propre. Ils ou bien elles doivent sauver la nature. Donc, verbe devoir plus sauver la terre. Donc, ils ou elles doivent sauver la terre. Donc, sauver, c'est le verbe à l'infinitif. C'est le deuxième verbe à l'infinitif. Très bien. On va faire les exercices dans le cahier d'activité. Page 66. Donc, exprimez l'obligation avec verbe devoir et faites comme l'exemple. Par exemple, regardez. Elle va au club. Elle va au club. Qu'est-ce qu'on va écrire? Elle doit aller au club. Elle doit aller au club. Donc, le verbe devoir conjugué plus le verbe à l'infinitif, aller. Ici, numéro 1, tu prends des photos. Tu prends des photos. Où est le verbe? Prends. Quel est l'infinitif? Prendre. Qu'est-ce qu'on va écrire? Tu dois prendre des photos. Tu dois prendre des photos. Bien. Regardez la phrase. Ici, nous respectons la vie. Nous respectons la vie. Alors, avec verbe devoir, qu'est-ce qu'on va écrire? Nous devons. Et respectons, ça va changer pour l'infinitif, respecter, ER. Donc, nous devons respecter la vie. Numéro 3, les amis préparent un article. Les amis préparent un article. Alors, le verbe prépare, quel est l'infinitif du verbe prépare ici? Préparer. Donc, les amis, donc il avec S, les amis vont préparer. Les amis, pardon, doivent préparer. Le verbe devoir conjugué, les amis doivent préparer un article. C'est clair? 4. Vous protégez la nature. Où est le verbe protéger? Quel est l'infinitif? Protéger avec ER. Verbe devoir avec vous, ça va être vous devez protéger. Vous devez protéger la nature. Très bien. Numéro 5. On fait attention à la nature. On fait attention à la nature. Le verbe ici, fait, à l'infinitif, faire. Donc, on doit faire attention à la nature. On doit faire attention à la nature. Voilà. Maintenant, pour exprimer la possibilité. Exprimer la possibilité. Donc, c'est possible de. C'est possible de plus infinitif. Comme il est obligatoire, de plus infinitif. Alors, pour exprimer l'interdiction, c'est-à-dire il ne faut pas plus infinitif. Il ne faut pas
plus infinitif. Par exemple, c'est interdit de plus infinitif. Donc, vous voyez, c'est possible de, il ne faut pas, ou bien c'est interdit de plus infinitif. Ouvrez votre cahier d'activité, page 67. Par exemple, il voyage. Il voyage. Je vais ajouter, c'est possible de. Donc, c'est possible de voyager. C'est possible de voyager. Regardez cette phrase. On se promène ici. On se promène ici. Donc, on va exprimer la possibilité. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est possible de se promener. Très bien. Donc, c'est possible de se promener ici. Vous voyez? La phrase suivante. Tu visites ton ami. Tu visites ton ami. Alors, je vais ajouter cette expression. C'est possible de. Alors, c'est possible de visiter. C'est possible de visiter ton ami. On continue la phrase, ok? Bien, on regarde cette phrase. Vous participez au concours. Vous participez. Où est le verbe? Participer. Très bien. Alors, on va ajouter l'expression « c'est possible de ». Ça va nous donner cette phrase. « C'est possible de participer au concours ». Très bien. Regardez phrase 4. « Il prépare ce projet ». Il prépare ce projet. Où est le verbe ? Prépare. Quel est l'infinitif ? Préparer. Donc, c'est possible de préparer. C'est possible de préparer ce projet. Numéro 5. J'envoie un mail. J'envoie un mail. Alors, quel est l'infinitif du verbe envoie? C'est un peu spécial. C'est envoyer avec Y. Donc, ça va être c'est possible d'envoyer un mail. Ça va? Elle a un slogan. Elle a un slogan. Alors, quel est l'infinitif du verbe « a » ? C'est « avoir ». Très bien. Donc, c'est possible d'avoir un slogan. C'est possible d'avoir un slogan. Maintenant, on va voir cette expression. L'interdiction. Donc, pour exprimer l'interdiction, il ne faut pas. Il ne faut pas. Par exemple, il ne faut pas utiliser le portable. Il ne faut pas utiliser le portable. Où est le verbe à l'infinitif? Utiliser. Très bien. On peut dire aussi, c'est interdit de fumer. C'est interdit de fumer. Donc, fumer, c'est le verbe à l'infinitif. Donc, on peut utiliser ces deux expressions. Il ne faut pas. Ou bien, c'est interdit de. Par exemple, regardez Hassan ici. Hassan, il dit, « Et voilà mes conseils. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Il ne faut pas gaspiller l'eau. » Donc, où est le verbe à l'infinitif? Gaspiller. Est-ce que vous pouvez trouver l'expression de l'interdiction? Très bien, il ne faut pas. Donc, il ne faut pas gaspiller. Donc, nous avons ici les verbes qu'on peut utiliser, les verbes conjugués plus l'infinitif. Par exemple, nous avons « on doit » pour exprimer l'obligation. D'accord? On doit. Il faut. Pour le contraire, il ne faut pas, c'est pour exprimer l'interdiction. Il ne faut pas. Tu dois. Donc, il faut. Tu ne dois pas, interdiction. Vous devez, obligatoire. Vous ne devez pas, c'est interdiction. Bien. Donc, nous avons les verbes conjugués
plus l'infinitif, le verbe à l'infinitif, pour exprimer l'obligation et l'interdiction. Par exemple, on doit, c'est obligation. Donc, on doit, il faut le faire, par exemple. Donc, obligation. Il ne faut pas, c'est l'interdiction. Il ne faut pas. Tu dois, c'est obligation. Donc, si je vais transformer cette phrase à l'interdiction, qu'est-ce que je vais dire? Tu ne dois pas. Vous devez, c'est obligation. Vous ne devez pas, c'est l'interdiction. Regardez. Ouvrez votre cahier d'activité. Page 67. On va voir ces exemples. On ne marche pas ici. On ne marche pas ici. Alors, on va utiliser l'expression « il ne faut pas ». Il ne faut pas. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ? Il ne faut pas marcher ici. Donc, on a écrit « il ne faut pas » plus le verbe à l'infinitif « marche » qui se transforme à l'infinitif pour dire « marcher ». ER. Regardez la phrase suivante. On ne gaspille pas l'électricité. Où est le verbe gaspille? Quel est l'infinitif? Gaspiller. Donc, il ne faut pas gaspiller l'électricité. Bien. Regardez cette phrase. On ne jette pas les déchets. Donc, il ne faut pas jeter. Donc, ici, jette avec deux T. Et à l'infinitif, un seul T, jeter. On ne fume pas, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas fumer. On ne consomme pas beaucoup d'eau, c'est-à-dire, on va utiliser avec ça, il ne faut pas consommer, se transforme à l'infinitif consommer. Il ne faut pas consommer beaucoup d'eau. Pour exprimer le but, on peut utiliser « pour » plus « infinitif ». Mot interrogatif aussi, plus « infinitif ». Par exemple, « comment faire ?»« Pourquoi attendre ?» D'accord ?« Où aller ?» Donc, on peut utiliser aussi l'infinitif. Donc, l'interrogation plus le verbe à l'infinitif. « Comment ?»« Pourquoi ?»« Combien ?» ou plus le verbe à l'infinitif. La même chose pour le but, pour plus infinitif. Donc, le verbe, il est, après le de, c'est verbe à l'infinitif. Par exemple, c'est obligatoire de, c'est nécessaire de, il est interdit de, c'est possible de, c'est bien de, c'est parfait de, plus infinitif. Voilà, maintenant on va faire la condition, la deuxième partie. Observez ces phrases. Si vous voulez participer, vous envoyez un mail. Si tu travailles, tu réussis. Si tu travailles, tu réussiras. Donc ici, nous avons la condition avec si. Si plus présent, ou bien, on peut dire aussi, si plus présent, présent. Donc, si tu travailles, tu réussis. Ou bien, si tu travailles, si plus présent, tu réussiras. Donc, plus le futur. Par exemple, vous vous rappelez le slogan « Ma terre, si je l'aime, je la protège. » Ma terre, si je l'aime, je la protège. Alors, aime au présent et protège aussi au présent. Phrase 1, si je l'aime. Phrase 2, je la protège. Si plus présent, présent. Si tu étudies bien, tu réussiras. Alors, étudie si, étudie au présent et réussira au futur. Donc, phrase 1, si tu étudies bien, tu réussiras. Donc, si plus présent, on peut utiliser le futur dans la deuxième phrase. Donc, si, phrase 1, présent. Phrase 2, on peut utiliser le présent ou bien le futur. Regardez,
On va relier les éléments qui vont ensemble. Faire du sport, présenter un beau film, respecter la nature, aimer ta classe. Regardez la deuxième série. Avoir la vie sauve, ne pas faire de bruit et être fort, inviter les amis à le voir. Alors, pour faire du sport, on va relier les deux séries de ces phrases. Regardez maintenant. Donc, alors si vous faites du sport, vous serez fort. Présenter un beau film, inviter les amis à le voir, respecter la nature, avoir la vie sauve, aimer ta classe, ne pas faire de bruit. Bien. Alors, on va faire maintenant des phrases avec les éléments, avec « si ». Alors, par exemple, regardez, faire du sport, qu'est-ce qu'on a dit ? Être fort. Si tu fais du sport, tu seras fort. Ok ? Si tu fais du sport, tu seras fort. Présenter un beau film, inviter les amis. Si on présente un beau film, on invite les amis à le voir. Regardez, respecter la nature, avoir la vie sauve. Alors, si vous respectez la nature, vous aurez la vie sauve. Regardez, aimer ta classe, ne pas faire de bruit. Donc, si tu aimes ta classe, tu ne feras pas de bruit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. J'espère que vous avez bien compris. On a vu l'infinitif et la condition. Au revoir et à la prochaine.